Yo les gens, c'est Lopok et aujourd'hui on va jouer à Super Smash Bros Ultimate avec des abonnés, avec vous, ça veut dire, c'est incroyable. Parce que hein, c'est vrai que quand je fais des vidéos Smash Bros, vous êtes quand même très nombreux à dire que vous êtes meilleurs que moi. Et c'est pour ça qu'il y a ce genre de vidéo, c'est pour que je vous la mette un peu hein, parce que vous cassez les couilles. Attendez, j'ai fait une arène du coup, ça se passe sur Instagram, mon Instagram qui va s'afficher maintenant tout de suite. Partager, hop. Je crois que c'est tout bon, 3 vies, 7 minutes, Enzo's Revenge, ok, allez c'est parti, terminé. Le nom de l'arène, putain, Enzo's Revenge, ça me fait trop rire, ça a aucun sens, putain. Alors, qui sera le premier? Attends, on joue qui? En attendant que quelqu'un arrive, on va choisir son personnage et on va jouer, quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de me voir jouer. Un certain Captain Falcon. On va le prendre tout rose, il est génial. J'essaye d'apprendre un peu à jouer avec lui en ce moment en ligne. C'est pas facile, honnêtement, il est rapide, nerveux et tout comme perso. Mais voilà, on va essayer de jouer avec lui et de gagner. Bon, en fait, explication vite fait de comment ça va marcher. Il y a 3 hatchs au maximum, si j'en gagne 2, j'ai gagné. Et si je mets 3 stocks au mec, c'est la fin du monde, je le kick instantanément, je crois. Il joue le héros, Gambit. Alors Gambit, j'espère que tu seras bon contre mon Captain Falcon de couleur rosée. C'est parti. Back air qui passe. Dash attaque. J'aurais pas dû faire ça. Back air. Oh putain. Oh putain. J'ai trop peur. Il a failli m'avoir. Parce que c'est vrai que le spécial côté. Oh, il m'a mis un smash qui aurait pu vraiment me tuer. Oh, il y a le Omega Bank qui va sortir là. Oh. Oh non, le slot smash. Putain, c'est terrible. Mais il fait trop peur avec ses sangs à la con là. Le Dunby de Falcon est sympa parce que c'est vrai qu'il est rapide. Enfin, tout est rapide avec Falcon. Oh, MP! Oh non! Ouais, non, non. Oh oui! 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 J'ai fait un forward air qui one-shot! C'est une bébé, enfin qui one-shot! Bon bah, je suis mort aussi. Ça one-shot pas le forward air, mais ça fait très mal au cul quoi. Non! J'essaie de le placer, j'en ai rien à foutre! Oh! Il a fait méga kill! Il aurait pu me tuer en fait, ça fait one-shot cette merde! Je sais ce que t'attends! Oh putain, il savait que j'allais attendre! Oh là là, le kill, c'est terrible! Vous savez, ça peut one shot ces trucs violets de merde là! Allez, nique ta mère! Oh putain! La violence des coups critiques avec ce personnage, c'est terrible quoi! Il devrait plus me zoner, m'attaquer à distance vu que je suis Falcon, j'ai pas trop de moyens de me défendre comme ça, tu vois. Ah. Oh là 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 là! Non, le smash est trop lent avec Falcon. J'ai pas les. Ce qu'on appelle les frame data. Oh là 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 là. Heureusement qu'il est lent parce qu'il pourrait tellement me punir. Oh non! Il avait fait de la lance, c'est terrible! De mourir comme ça, c'est vraiment terrible. Ensuite, bon. Honnêtement, avec Falcon, je suis pas le couteau le plus affûté des Captain Falcon. Hein. Ça, je veux bien l'entendre, bien évidemment. Parce que franchement, ça fait pas longtemps que je joue et. Et je suis pas trop bon, mais lui ça va, franchement il s'en sortait bien, le niveau était à peu près égal. Je pense que qu'il peut me battre, mais faut voir comment ça va se passer. J'ai toujours pas mis de Falcon Punch, c'est pas du jeu. Attends, attends, si j'arrive à mettre mon spécial B, j'ai instantanément gagné, on est d'accord? Ah putain, je pensais pas qu'il allait sauter. Je suis mort. Alors là, il m'a tellement mis cher. Bon, attends, attends, parce que ça se passe pas très bien. Putain, je... Fini. Putain, l'explosion machin t'es magique de merde. Ah là là! Ah mais c'est perso, hein. Ensuite il a plus de mana donc. Ok. C'est vrai que c'est pratique de mettre réflexion sur Captain Falcon! Non mais il a dû prendre au pif! Attends. Non, attends, attends, là il spam tous ses sorts là, c'est terrible. Oh là là, mon dieu! Non! Faut vraiment que je gratte parce que là je suis pas bien du tout! Ah non! Mon MP qui est pas passé! Ok. Ok. Non! J'ai voulu spike de par ici! Oh, je suis mort. Je savais quoi. J'ai foiré mon Dunby, je me suis dit ça y est, c'est la fin quoi. Ok, back air. Oh, je pensais pas le tuer! Mais comment vous voulez que je fasse là sans déconner? Oh! Ouais, non, 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 là c'est victoire pour Gambit. Gambit. Elle veut dire Gabriel, mais non, c'est Gambit. Ok, Gambit, ça va chier. Je fais comme les joueurs pro, je tapote sur un manette et tout. Oh, allez hop! C'est terrible, c'est terrible. Il aurait dû me toucher avec son forward air, mais il a pas réussi. Enfin, c'est forward air ou peut-être back air, je sais plus, j'ai pas fait gaffe. Down air, je sais pas. Non, c'est pas down air.
putain, les smash que je me prends, ça peut tellement taper en critique et me tuer. Non, c'est pas censé se passer comme ça. Non, quoi? J'en ai trop marre. Non mais je dois être maudit ou un truc du genre, c'est pas possible sans déconner. J'ai pas mis un seul pi. Ok, c'est pas perdu. Mais je suis trop con. Mais je suis trop con. Mais pour ça qui m'a battu. Mais je suis trop con, je suis le roi des cons. J'ai perdu. J'ai perdu. Il s'est cassé. Il est parti. Il est parti de son plein gré. Quel cuisant d'échec. Wow, ça commence trop mal. Bravo Gabit, putain, GG hein, mec hein. Ensuite bon le kill et tout, voilà hein, on va pas parler du héros mais non tu m'as battu, voilà. C'est j'avoue, je j'accepte ma défaite. Alors patate. Du coup on a choisi Megaman. Et oui, Lucina. Et ben en vrai avec Megaman normalement, le problème c'est que j'ai tellement de trucs pour zoner Lucina que en soi ça devrait bien se passer quoi. Putain, je voulais la spike, j'ai pas réussi quoi. Au moins elle m'a touché. Ah voilà. Je pense que j'ai un personnage qui la counter, qui vraiment est fait pour un peu la faire chier quoi, tu vois. On va changer de perso. On va changer de perso juste parce que voilà. J'ai envie d'être sympa. Voilà, normalement, si je gère bien avec sa Lucina, il va pouvoir me foutre une branlée avec Ganondorf. Parce que c'est vrai que j'ai tellement de trucs pour zoner avec Megaman. Allez, c'est parti. Ça fait longtemps que j'ai pas joué Ganondorf, hein. Alors, petite anecdote, il y a pas longtemps j'ai rejoué à Melee. Et c'est vrai que le Ganondorf de Melee est plus la merde tellement comparé au Ganondorf de ce jeu là. Ouais, c'est pas la même hein. Ah non! Mais je me hais! Sérieux? Oh là là, il m'a tellement roulé dessus là! Ah non, non. Oh putain, sérieux. Non. Bon, au moins il a essayé de faire un truc. En fait, ouais, je crois que je me souviens un peu comment jouer Ganondorf. C'est pas mal, c'est son neutral air. C'est ça qu'il faut faire avec lui. Là, c'est fini. Sauve-moi la vie. Ah, fais chier. Donc du coup avec Ganondorf effectivement c'était pas la même, merde. Ah, est-ce que j'essaye de la battre avec Ganondorf ou pas? Parce que si je la bats avec Ganondorf c'est que voilà, je fais défoncer en vrai. Allez vas-y, vas-y, j'ai envie de prendre des risques putain. Faut que j'essaie de plus lire dans son jeu, ça va me forcer à lire dans son jeu en fait. Oh là là. Putain, dommage. Ah putain. Ah mais quoi, sérieux? Je l'ai pas touché. Allez, ah, c'est bon. Ok, ok, c'est mieux là, c'est mieux. Non. Parce qu'avec le spécial côté, tu peux le choper et le mettre dans le vide et le tuer forcément, putain. Si j'avais fait plus tôt, c'était bon quoi. Ok. Yeah. Putain. Ah non, mais attends, attends, attends. Oh, Ganondorf, ça fait des mois que je l'ai pas joué, sans déconner. Ah, je pensais que mon smash aurait pu passer avant, putain, tellement déçu. Voilà, oh, t'es morte là, non? T'as déjà, t'avais déjà sauté, non? Ah! Je pense que j'ai quand même pas mal réussi à lire son jeu et c'est cool quoi. Parce que si j'avais pas réussi, elle m'aurait reroulé dessus, c'est la fin quoi, tu vois. Du coup, maintenant, on va prendre qui? On va prendre qui? On va prendre qui? Je me demande si je vais pas reprendre. Non, je suis pas bon avec Captain Falcon, c'est pas une bonne idée. Ah, allez, vas-y, 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 j'en ai rien à foutre. Rien à foutre, ok. Allez, Bravir, c'est parti. Tu crois que... Oh, j'ai pas de jeu de mots nul à faire avec son nom, sans déconner, c'est trop dur. Ah, putain. La concentration un peu, parce que, putain, les gens sont chauds ce soir, hein, hein, sans déconner. Ok, j'ai bien fait d'attendre un peu. Ok. Ça l'a tué, putain. J'étais presque, c'est presque à rien de le spike. Oui, j'essaie de faire un Falcon Punch que je n'ai toujours pas mis, putain, on fait chier. Oh. Fini. Dommage.
Ok, backer, c'est bon. Ok. Ok, j'ai réussi à placer un up smash. Ok. Scandaleux, scandaleux, sans déconner. Regardez le spike que j'essaie de mettre. Oh putain, celle-là, j'ai cru que j'avais pas gagné. Oh, oh mon dieu. Il joue le perso? Non. Splatin! Fais chier! Vous savez qu'il y a vraiment des gens qui pensent que je pense que le garçon Inkling s'appelle Splatin? Non, mais en fait, je me demande si c'est pas moi qui ne comprends plus le second degré, tu vois. Est-ce que je suis devenu un aussi vieux con sans déconner? Honnêtement, il est chaud lui. Hein. Je trouve que. Honnêtement, je vais être honnête. Je joue très rarement contre Inkling. Mais. Oh oui! Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que. Bah, je sais pas vraiment. Enfin, je connais leurs attaques, mais. Tout ce qui est frame data et tout, la vitesse à laquelle sortent ces attaques, je suis pas. Enfin. Putain, je suis mort. C'est ouf ça, le temps que tu restes dans le truc, c'est incroyable ça, je trouve, putain. Ok, back air. Ah, pas grand chose, hein. Ah, pas grand chose, il se prenait. Oh non! J'avais prévu qu'il allait faire cette roulade en plus. Le fait de le choper, ça m'a sauvé la vie. Je pense que j'étais beaucoup trop mal en fait. Non! Non, mourir comme ça, c'est scandaleux. Oui, oui, oui. Attends, attends. Je vais revenir. Comment il est mort? Non, mais attends, il s'est suicidé là. Faut vraiment que je fasse attention à son rouleau, c'est ce qui a me niqué, je le sais. Pas dans ce sens-là, mais c'est pas ce rouleau-là que je parle. Putain, ah là là là, sa bombe, j'ai pas vu venir, mais oui. Il a acheté sa grenade avant et elle m'a chopé. Ah bah avec Falcon, force est de constater que je n'ai pas le niveau. Et je pense que c'est pour cela que je vais devoir passer aux choses sérieuses, notamment en prenant un autre personnage. Allez, c'est bon, lui aussi a changé de personnage. Little Mac. Oh, Little Mac, c'est tellement vénère les combats avec lui, c'est tellement stressant parce que tu peux tellement te faire défoncer rapidement. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué Kirby en vrai. Non mais il triche aussi hein. C'est bon. Moi aussi il faut que je zone un peu. Ah putain, je pensais l'enchaîner. Salut. Je sais Kyo, tu veux bien faire ton truc. Casse-toi avec ton KO. Non. Oh putain. Je ne sais pas comment jouer. Je ne sais pas comment jouer contre un Little Mac, c'est incroyable. Ah non mais là il m'a... Oh là il était con Little Mac hein. Ah attends. Ah non, je suis Kirby. Non mais attends. Oh, j'ai perdu. Ah, mais il m'a niqué le cul, là. Oh, merde, je suis... Waouh. Waouh, ce seum. Oh, non, mais j'ai trop le seum, là. Oh, là, je suis pas bien. Oh, non. Je vais faire une dernière game pour essayer de, quand même de sauver un peu le... Voilà, le tableau. Vas-y, Nat. Je joue Ness. Et je joue Bowser. Ça va pas bien se passer, hein. Mais genre, vraiment, je me suis fait éclater dans cette vidéo, quoi. Ok, le beat Bowser est trop fort, hein. Vraiment. Le B, c'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est le B. C'est trop bien. Là, t'es bon. Avec le spécial côté de Bowser, tu peux faire ça. Et les gens ne savent pas qu'en fait, c'est les deux joueurs qui dirigent la trajectoire de où tu vas. Ah mais là, là, mon gars Nat, je suis désolé Nat. N'essaie pas à remettre en commentaire. Je suis désolé, Nat. Pardon, Nat.
Excuse-moi, Nat, d'avoir fait ça, mais je veux vraiment gagner. D'un côté, tu joues Ness, alors je n'ai aucun respect à avoir. Oh. Oh putain. Allez, salut. Oh. Il ne s'attendait pas à la revanche du gros Bowser. Ah, il s'attendait pas à ce que je vienne le choper dans le vide, c'est sûr. Pardon, Nat. Je suis désolé. Caroule. Bon, allez, Caroule, c'est parti. Et il joue Samus sans armure. Est-ce que j'ai l'avantage ou pas? Je pense pas. Tu sais, des fois, t'as des... Forcément, les personnages ont des capacités qui peuvent mettre plus ou moins en échec l'adversaire, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Caroule Albinos, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, hein. Comment ça va, toi, depuis le temps? J'aime bien Caroule. Son bidou, je l'apprécie fortement. Le pari into the F Smash. J'adore Caroule. C'est vraiment mon personnage favori de tout l'univers avec Banjo-Kazooie, quoi. Trop marrant, Caroule, putain. Oh, donne trop, jab. Putain, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Oh là là. Attends, on va essayer de lui mettre un... Non! Il aurait dû me toucher. Putain. Allez, casse-toi. Hop. Ah putain, mais non, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire. Mais ce Spike, mon gars, de l'enfer! Mais comment... Non mais attends, attends. Ensuite, on se demande pourquoi il y a des problèmes dans le monde. Mais oh! Mon Spike l'a envoyé sur la droite du terrain! Nique ta mère un peu, hein! C'est bon. Bon, est-ce que je lui mets 3 stocks pour me venger ou pas? Attends. Hop, une tout jab. Ok, putain, tellement fort! Ah, allez hop, là c'est bon le Spike, putain! Ah non mais attends! Voilà, c'est ma vengeance, j'en ai marre, hein! En vrai, je pense que si j'avais pris Caroule avec Little Mac, j'avais gagné, clairement. Tu peux tellement zoner avec Caroule en jetant des trucs et tout. Ce soir, on s'est tombé sur des gens qui étaient chauds quand même. Voilà, je tenais à le préciser. Je trouve que le niveau était quand même vachement élevé comparé à d'habitude. Enzo de Revanche, bah honnêtement, je pense que j'ai jamais aussi bien nommé une arène. Et bah écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me follow sur Instagram si vous, au cas où, j'en refais une autre. Mais en fait, je vous explique grossièrement ce que je voudrais faire à l'avenir. C'est trouver un sponsor pour avoir de l'argent et pour me dire, ok, si vous me battez, je vous donne X euros, tu vois, c'est rigolo. On aime bien faire de ce genre de choses sur YouTube, ça fait des vues et tout en plus. Et moi, j'adore la thune. Et bah sur ce, n'hésitez pas à lâcher un like si cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis à très bientôt. Et puis Non mais attends, j'ai fait une défaite contre un mec qui jouait le héros. Le héros, mon gars, c'est la roulette russe. Alors est-ce que j'ai vraiment perdu en fin de compte la première game? Non.